Les potes, je sais qu'à la base c'était pas cette vidéo qui était prévue pour aujourd'hui, mais tout à l'heure j'ai lancé un live pour tester la campagne solo de Modern Warfare et je dois dire que je m'y suis tellement pris qu'en fait je l'ai torché d'un coup. Et oui, je l'ai déjà terminé, ça m'a pris toute l'après-midi. Donc je vous propose maintenant de vous faire découvrir cette fameuse campagne solo. En plus il y a le RTX d'activer, ça rend le jeu encore plus beau et franchement il est magnifique. Et comme j'ai trouvé qu'il était super prenant, parfois il est stressant, ils ont réussi à faire ressortir les émotions, etc. Enfin bref, cette campagne solo c'est un truc de malade comme seul Call of Duty sait les faire. Enfin bref, vous aurez plusieurs épisodes, c'est parti pour le premier. Oh, oh, doucement, doucement Thierry, doucement, 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 doucement. Attends, on va déjà la mettre à 5 parce que là elle était vraiment élevée. Hein. Allez hop, c'est bon. Merde, 3-1, on n'a pas confirmé l'absence de l'armée russe dans la zone. Oh, le RTX, les frères. Ce sera ta faute, 3-1. Ah, y a pas le per... ah, dommage, y'a pas le perso. On voit pas notre perso sur le. Y'a pas l'ombre de notre personnage. Par contre, les effets de lumière et tout. Il a l'air quand même vachement beau en RTX, le jeu. Ah, j'ai hâte de voir quand il va y avoir des, vraiment des explosions et tout. Il est magnifique le jeu en vrai. Ah, j'ai l'impression, ouais. J'ai vraiment l'impression là. What? On a besoin d'une frappe aérienne, vite. Ah, j'ai rien demandé moi. Une frappe aérienne. Ah, oh ouais. Ah, oh, ça a de la gueule quand même. Hein. Ça a de la gueule quand même. Hein. Ah, ouais, ouais. Merci beaucoup, Viking. On va prendre la relève. C'est la RTX combien que t'as, la 2080 Ti? Ah mais on est en coup par coup. J'étais pas prêt. C'est bon, on avance. Attention, le CO3-1 est pas du genre patient. Clairement quelqu'un a joué avec le feu. Ça leur apprendra à voler des armes chimiques. J'attends que maintenant, je vais chercher une RTX 2080 super. Justement pour avoir maintenant. Ah ouais, c'est vrai que si vous achetez une RTX, vous avez Modern Warfare d'offert, hein, les gars. Ça brûle. Oh, trop bien fait. Faut abréger leur souffrance. Faut les achever. Il est vraiment trop beau en vrai le jeu. Après là on est de nuit donc on voit pas non plus énormément mais La porte derrière moi. On occupe. Oups, pardon. J'ai calé une balle. Gros t'as mis ta tête devant aussi hein. Tu sais c'est l'excuse que tu sors mais tu vois quand tu t'écartes ton pote. On peut plus vraiment compter sur la surprise les gars. Restez sur vos gardes. Soyez prudent, on sait pas ce qui nous attend. Contact. On a un mitrailleur. Ah ok. C'est quoi que j'ai mis quand je fais ça? Fais le tour et avale-le. Vous l'avez vu déjà? On doit sécuriser le gaz avant qu'il l'emporte. Il sort à découvert. J'ai un visuel. En avant. Attention au sud-ouest. Tarbu. J'ai un visuel. 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 J
tirez plus sur Hastings. Avance maintenant. Allez, encore pas top top, mais sur ça. Oh! De l'autre côté! Je suis déjà mort! Oh, attends, on commence à côté. Il y en avait un qui est arrivé là. En fait, j'arrive. Ah, ouais, ok. J'ai peut-être un peu trop avancé, non? Qu'est-ce qu'ils foutent là? En fait, il faut aller où? Oh mais derrière, mais t'es où? Pourquoi tu te caches? C'est bon. Il y a peut-être des armes chimiques. Mettez vos masques. C'est parti. Ils ont coupé le jus. Y a plus de jus. Avec moi. On voit rien du tout là-dedans. Vous avez entendu? Je sais pas qui a coupé le courant, mais... Bah si vous voulez, j'ai les lunettes nocturnes hein, derrière. Non, il y a quelqu'un. Merde, vous avez vu? Trouvez-le. Contact! Il est mort! Tu vois là normalement tu devrais. Pour moi là en réalisme, tu devrais mourir là. Les gars, mettre le courant, allumer la lumière et trouver le gaz. Compris 3-1. Non, la porte est pas alimentée. Trouvez les fusibles, trouvez le gaz et on se tire d'ici. Attention les yeux. On a le courant. Ok. On a un problème. C'était quoi pour la lumière? C'est des gars de l'armée russe. Les Spetsnaz. 3-1 à Watcher. Les mercenaires de Barkov sont des Spetsnaz. On a tué des militaires russes. Il faut qu'on foute le camp. Négatif. La mission est prioritaire. Vous n'avez pas le choix. Du coup, ah, c'est ça. Attends, je me dis. Jackpot. Confirmé, c'est bien le gaz. Bien reçu, 3-1. Chargez tout ça et rentrez à la base. Compris, on y va. À la base. Moi je veux voir deux jours, je veux voir à quoi il ressemble deux jours le jeu. À toutes les unités, avec le RTX et tout. Rendez-vous. Restez vigilants. Bon travail Alex. Rejoignez le point d'accroche pour extraction. Wow. Ah ok. Ah, c'est quand même bien fait hein. Ouais, c'est quand même bien fait hein. On peut dire ce qu'on veut mais Code ils savent faire des Ils savent faire du solo quoi. Il va mourir devant toi lui non? Mais c'est qui ça? Sidi, arrête ça là. Maintenant,
Tap. Nazimi Tarak. Nico 3-1 à Watcher. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Attaque terroriste. Plusieurs marines tués. Gaz volé. Évacuation immédiate. Reçu. On signale d'importantes troupes russes en approche. Tenez bon. On est en route pour vous exfiltrer. Watcher. Ah donc t'es tout seul maintenant quoi? Ok, ah non, même pas. Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe maintenant. Ça va pas être possible. Ça, c'est pas de votre sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Nous avons un problème. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication, la 6e flotte investit la mer Noire, et maintenant on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général, les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. John. Laswell. Ah. Occupé. J'ai un problème. Captain Price ! Enfin ! Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand? C'est déjà fait. L'agent Garrick, répondez. Ici Garrick. Tenez, j'aime bien ce Call of Duty. Bah... un peu tôt pour le dire quand même pour le moment, mais... On a des snipers en position. Franchement, pour le moment, ça a l'air pas mal, hein. Il faut éviter la panique à tout prix. Les terroristes sont au courant, chef. Garrick, pas de zone de guerre. On est passé à Londres. Compris? Oui, bien compris. Ok. Je crois qu'on est tout seul. Ça va le faire. Qu'on en finisse, d'accord? Ok. Sergent. Gardez. C'est bien la description. Oui, c'est eux. Sabre à Raven, véhicule suspect vers le nord. On bouge. Vous ne devez engager qu'en cas d'attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go! Ils sont là, mes frères! Ils sont là, là. On y va! Bouge pas! Police, plus en gestion! Les mains en l'air, maintenant! À plein ventre, tout de suite! Vous faites... N'oblige pas à le répéter! Oh putain! Il y a eu une détonation à Piccadilly Circus. Des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite. Il y a les flics en plein milieu et tout. Je pense que c'en était un. Ouais, je comprends rien. Oh, je me suis pris un coup de lance-roquette. Il est où là? Ah mais là-haut! Ah ouais, je le voyais pas là du tout. Regarde le point de rendez-vous avec des
Sergent, mais j'envoie un système aux ordres d'Oxford Circus. Trojan 9-9, j'aimerais une unité aux deux points de rendez-vous à Charing Cross Road et au Swiss Center. Une autre près de la BBC au nord d'Oxford Circus. Et le reste. Ah, il t'a eu une PKM. Ouais. Ouais. Oh, c'est un bordel, cousin! Wow! Pas encore en lance-roquette, là. Bien sûr, sergent. Les suspects se replient dans l'immeuble du Tanto au nord-ouest. T'as rien obtenu de lancer en réaliste. Bah j'aime bien moi. Ça va? Ouais. Ah, oh, y'en a de partout. C'est... Oh non, ça dégage. Oh, ça disparaît, dommage. Faut aller où? La fuck. C'est abusé ce bordel. Raven, sabre 2. Agent à terre devant l'immeuble du Tanto. Agent à terre. Nom de Dieu. Quelle est la situation pour les otages? Il va falloir que j'entre dans le bâtiment. Tenez-vous prêts. Là, il faut entrer là. La vache, ce passage est incroyable, c'est dingue. Mais hey, franchement. Franchement. Je vous couvre. Il est grave bien le solo. Oui, chef. C'est la quoi? C'est la, ouais, c'est la deuxième mission entre guillemets. Capitaine Price. Sergent Garrick. Suivez-moi. Ok, ouais, donc tu vois quand même l'objectif avec Tab. Moi je suis passé du coup. On est avec Price. Sécurisez les angles. On a besoin d'aide. Des otages en haut. En haut. Tu lui tires une balle dans la tête? Ah non, mais attends. Enlevez-moi ça! Ah non, c'est un otage, ok. Ça. Je croyais que j'ai c'était. Besoin de vous, sergent. Aidez-moi! Je suis pas avec eux! À toutes les stations, on a un homme avec une bombe. Gardez vos distances. Je veux pas mourir. Pitié, je veux pas mourir. Vous rentrez chez moi. Ça s'ouvre pas. Vous pouvez l'aider. J'essaie. Laissez-moi voir mes filles. C'est trop tard. J'y arrive pas. Plus de temps! Aidez-moi! C'est dégueulasse quand même. C'est dégueulasse, ça. T'imagines en vrai? À toutes les stations, c'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. On va vous sortir d'ici. La campagne est immersive. En vrai, tu verras un peu ça plus va. Loin, ça retourne le beat par moment. Ah ouais. Bah j'ai hâte de voir ça. Elle a l'air vraiment dingue la campagne. Sauver des vies, sergent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. On dirait un film, c'est dingue. Ouais. Chef. Déjà, le jeu est vraiment beau. Franchement. Là j'ai le RTX et tout d'activé, c'est un truc de malade comme le jeu est beau. Dites-nous où. Et en plus de ça, mais pas comment. C'est vachement prenant. Puis même regarde, tout est bien foutu. Regardez les expressions faciales des persos et tout. Non franchement c'est un truc de malade. Ok Garrick. Suivez-moi. Et voilà les potes, ce premier épisode est à présent terminé, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Restez connectés pour voir très prochainement les prochains épisodes. Et franchement, je peux vous le dire, vous n'avez encore rien vu.